Des excréments humains dans le fameux plat mythique camerounais. Des cadavres d'animaux et humains dans des plats vendus moins cher autour de nos écoles, dans nos campus et dans la rue. Pour enfin aboutir à quoi? À des jeunes qui retrouvent le marché professionnel désœuvré, au chômage et inadapté à la demande, pourtant croissante, du marché de l'emploi. Oui, on a besoin de main-d'œuvre professionnelle en Afrique. Oui, on a besoin de travailleurs qualifiés. Mais où sont donc ces travailleurs? Car la moisson est abondante, mais il manque de travailleurs qualifiés. Moi, j'ai une réponse à cette question. Les cerveaux de la jeunesse africaine sont bouchés par une alimentation cadavérique et inappropriée. Comment comprendre tout ça? Comment s'en sortir? Quelles pistes aborder? Je vous invite à en parler ce dimanche 11 juin à la Startup Academy Tchang, qui m'invite. Je suis honoré. L'heure est grave, chers Africains. Réveillons-nous et agissons. Je suis Paulin Zobeu, biologiste-thérapeute, et à dimanche.